Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 21 octobre 2024. Tiens, des nouveaux casques pour enfants. Pokémon, 9,95€. On avait eu déjà je sais pas si on a encore en rayon, des casques comme ça pour enfants avec des héros. Là, c'est des nouveaux. On a donc celui-là. On a celui-là. Celui-là. Et on doit avoir peut-être Evoli. Ah bah non, j'ai vu du rose, on a celui-là. Alors je connais pas tous les personnages Pokémon, sauf évidemment Pikachu. Après je connaissais aussi Evoli, mais les autres personnages, je me souviens pas de leur nom, prénom. Oh tiens, on m'avait demandé d'ailleurs la dernière fois quelle est la différence entre ceux-là, les casques pour enfants, et puis pourquoi pas prendre un autre casque comme ça. Alors déjà c'est la taille, mais c'est pas que la taille, c'est aussi le son. En fait, vous voyez, là il est limité à 85 décibels, donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas augmenter au-delà. Et d'ailleurs pour les enfants, voilà, on a aussi ceux-là, à 9,99€. Ils existent d'une autre couleur, mais là il ne reste que du bleu. Vous voyez, cela aussi 85 décibels. Tiens, étui à AirPods, 2,89€. Ça c'est nouveau. Oh, est-ce qu'on peut voir comment ils sont? Ah, oh, ils sont beaux, ils sont trop beaux. Donc on a celui-là, on a le noir et gold. On a celui-là, ils sont trop beaux. Et on a le motif animal. Et franchement, pour 2,89€, je pense que ça vaut le coup. Après, ça peut être aussi une petite idée cadeau. Alors, c'est pour les AirPods de génération 3. Et après, on a d'autres modèles pour la génération, la première et la deuxième génération d'AirPods. Hein. Ah, ils sont beaux, hein. Franchement, trop beaux. Et on peut évidemment, comme on l'a vu, voilà. Donc là, hop, on peut évidemment ceux-là, en fait, du moins, les mettre à recharger. Le boîtier, donc 2,89€. Alors après, vous avez aussi les housses pour téléphone, pour iPhone, qui vont avec les petites boîtes pour iPod. Après, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir trouver tiens, les mêmes motifs. Vous voyez, celui-là, c'est celui qui va avec la housse qu'on a vue juste avant. Je reviens dessus, mais ils sont vraiment beaux. On a un nouveau set de peinture XL. Il y a 72 tubes de peinture acrylique pour 11,95€. Oh tiens, j'ai une amie qui cherchait la dernière fois justement les différents crayons. Là, ils sont comme ça en petits tubes. Enfin, c'est une boîte métallique. Les 20 pièces sont à 2,19€. Il y a de tout. Il y a 3B, 2B, 2H, 3H. Tiens, on a des papiers croquis. Rigide, papier bambou. Ah, je crois que mon amie, elle a pris celui-là pour les crayons. Là c'est un étui, il y a tout, il y a plusieurs crayons. Alors je sais pas si c'est autant de crayons que celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y a 17 pièces, donc on va dire 17, donc il doit y avoir 15 crayons à papier. Dans l'autre il y avait 20 pièces, donc je pense que dans le petit étui il y a beaucoup plus de crayons, type de crayons. Et dans celui-là on a l'étui qui est sympa aussi pour ranger, on a la gomme et le taille crayon. Et donc là l'étui c'est 3,99€. Le retour de ces organiseurs avec poignée, 1,59€. Tiens, éponge classique. Alors c'est vrai que des fois c'est compliqué de trouver juste une éponge comme ça classique. Après, si vous recherchez vraiment cela, il y en a des plus grosses, mais au rayon travaux, 99 centimes. On a les éponges à récurer comme ça, 99 centimes les trois. Alors la bleue absorbe, donc on a la rose et on a la jaune multifonction. Je vous ai montré hier hein, le retour de ces murs déco, 7,95€. Alors normalement il y a trois modèles, mais hier j'en ai vu que deux. Ouais. Et d'ailleurs j'en ai pris deux modèles. Ah, c'est celui-là qu'on n'a pas vu hier. Donc il y a celui-là, et je crois il y a celui-là. Ouais, c'est trois différents. Non, les deux là c'est les mêmes. Et on a celui-là. 7,95€. Ils font 60 par 60. Alors comme je disais hier, alors ceux-là ils ont été. Moi je les ai mis comme ça, tel quel, mais il y a des personnes qui les ont repeints. Alors par contre, si vous devez les repeindre, il faut d'abord prendre une sous-couche avant, sinon votre peinture ne va pas tenir. Il y a des personnes qui les ont repeints, il y a des personnes qui ont fait des caches radiateurs, des personnes, je crois que j'ai vu, c'était pas ici, mais une personne qu'on avait mis tout autour de la télé,
et qui avait mis après de la lumière. C'est magnifique, on peut faire pas mal de choses avec ces panneaux. Alors quand on les voit comme ça en magasin, ça donne pas trop l'effet que ça va faire chez vous, parce que là le fond c'est du carton, mais en fait ils sont ajourés, donc là il va y avoir la couleur de votre mur. Tiens, moulin à café, 9,95 pour moudre grains de café. Vous pouvez aussi moudre dedans tout ce qui est amandes, noisettes, etc. 9,95. Alors ça on les a vu hier, mais je vous les remontre. Le mousseur à lait à 19,95 et le nouveau petit appareil de la marque George Wilkinson, qui est d'ailleurs une très bonne marque. Moi j'ai 2-3 choses de cette marque là à la maison, ça tient très bien. 22,95 €. Alors c'était ça que j'ai regardé avec vous hier. En fait pour moi c'est un peu un mousseur de lait un peu amélioré, parce qu'apparemment il y a une fonction chocolat chaud. 22,95 €. Le retour des moules à bûche, 3,29 €, mais pas que, hein, puisque tout au long de l'année, hein, vous pouvez faire par exemple des roulés au chocolat, des roulés à la confiture, 3,29 €. Donc moule à bûche pour 10-12 parts. Ça, par contre, on est dans la période, hein, les mixeurs manuels comme ça, 16,95 €, donc pour faire vos soupes. On peut faire soupe, on peut aussi faire des... tout ce qui est pâte à crêpes. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, donc je crois que je vous parle de cette astuce, mais moi je sais que mon fils, il aime beaucoup faire des gâteaux, il aime aussi faire de la pâte à crêpes. Et la dernière fois, il m'a demandé après le fouet, je lui ai dit, mais non, mais essaye avec le pied. Puis après, il m'a dit, mais maman, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour mélanger. Donc si vous faites un jour de la pâte à crêpes ou de la pâte à gaufres, testez le pied comme ça, si vous en avez un, pour mélanger. Donc la gamme MasterChef, après on a aussi la balance à 6,95 €. On va rester dans les pieds mixeurs comme ça manuels. On a aussi celui-là qu'on a depuis très longtemps chez Action, hein. 9,79 €. Donc celui-là c'est un 350 watts pour vous donner un petit peu une différence, 350 watts. Celui-là c'était un 1000 watts et on en a un autre, c'est celui-là. Celui-là il est à 15,95 €, 350 watts de vitesse. La différence c'est que celui-là vous avez aussi le fouet avec et ça pour hacher. Après si le système vous convient pas, il y a aussi les mixeurs comme ça, 18,95 €. Après c'est vrai que les blenders comme ça, parfois pour faire une soupe bien veloutée, on a un résultat un peu plus rapide avec ce genre de blender, mais moi je sais que j'aime bien le pied, c'est juste une histoire d'encombrement. Voilà. Après on a celui-là, 12,95 €, celui-là c'est un 500 ml, 180 watts. Juste à côté aussi la période des raclettes, 29,95 €, celui avec la base en bambou. Raclette, on a évidemment celui-là aussi à 22,95 €, également pour 8 personnes. Et celui-là pour 2 personnes à 9,99 €. Bloc à couteau. Ça, c'est une nouveauté, 5,95 €. Donc, vous allez pouvoir ranger vos couteaux à l'intérieur. Il n'y a pas les couteaux, hein. C'est juste la base. Donc, c'est pas mal au lieu de les laisser comme ça. Vous pouvez en fait les avoir sur votre plan de travail, mais sans qu'ils traînent comme ça. Là, au moins, ils sont protégés. Donc, il y a rond comme ça, il y a carré. Hop, et il y a aussi avec des petites mouchetées. Les pots à conservation en verre avec le bouchon comme ça. Ce n'est pas une nouveauté, mais mon œil a été attiré par ça, parce qu'en ce moment, j'ai plein. J'achète tout le temps des pistaches et du coup, je les conserve dans un pot. Mais je me dis que ça peut être pas mal, tiens, que ce soit un pot fermé. Moi, je les mets dans... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une fois un pot avec une cloche comme ça dessus. Après, je me dis, si à un moment, peut-être que je les laisse comme ça, peut-être qu'ils vont être abîmés, puisque c'est pas hermétique. Et je me dis, pourquoi pas ça. Bon, bref. Hein. Ceux-là, ils sont à 2... Alors, je sais plus le prix de ceux-là. Ah, si, ils sont là. 1,99 €. Ils existent aussi en plus grand. Hein. Après, les pots à provision, il y a deux types de pots à provision. Alors, normalement, ils sont tous hermétiques. Hein. Mais il y en a en verre, il y en a en plastique. Alors c'est vrai que moi je préfère le plastique, même si le verre c'est mieux pour conserver, etc. Moi c'est juste une question de poids pour pas trop charger mes étagères. Je trouve que le plastique il est un peu plus léger. Au niveau hermétique c'est pareil pour moi. Alors j'utilise des boîtes que je prends ici, hein. Je vous les montre de temps en temps, je vous les remontrerai la prochaine fois.
Enfin, même pas, puisque j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas en ce moment. Bref. Et puis aussi, des fois, comme je mets des petites boîtes en hauteur, j'ai peur que les enfants prennent et puis les fassent tomber ou que moi, ça tombe. Voilà, tout simplement. Sinon, le verre, ben, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa, plus élégant et mieux aussi pour les produits. Mais bon, j'ai opté pour du plastique. Hein, vous allez me dire, vous, en commentaire, si vous êtes plutôt verre ou plastique. Quand même, c'est trop mignon, les petites assiettes de Noël. 2,62. Alors, cette année, on a beaucoup de maisons comme ça, pain d'épices. On a l'étoile. Et non, pas cassé. Et on a le sapin. Et on a le petit bonhomme en pain d'épices. Alors, c'est tout. Donc, c'est les quatre qu'on a. Trop joli. 2,62. Après, on a les verres aussi, les meubles comme ça. On a les tasses. 2,59. Alors, ce que vous êtes beaucoup à rechercher, c'est la petite maison comme ça. 7,95. Et on a aussi, donc, les mugs, on les a vus. Les fonds de teint Révolution. Alors, cette marque-là, je me suis rendu compte que c'était la marque aussi des palettes qu'on a eues à un moment en forme d'avocat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en forme de cookies, de tablettes de chocolat. Donc, les fonds de teint Révolution, il y en a plusieurs. La dernière fois, je vous ai montré des couleurs, mais il y a plusieurs. Hein. Il y en a, c'est voilà, double fixe. Il y en a d'autres, c'est. Tiens, c'est ouvert. C'est celle-ci. Bah, c'est comme ça à l'intérieur, du coup, c'était ouvert. On a aussi ça, l'huile à lèvres teintée, 1,89 €. Je crois qu'il y a trois teintes. Celle-ci. Ils ont mis les courbes-cils là, à 99 centimes. Et on termine par ça, c'est des noix de macadamia enrobées de chocolat. Et on a aussi les noix de cajou enrobées de chocolat et les amandes. C'est 2,29 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus tard.